Now there were three children from the land of Israel, Shadrach, Meshach, Abednego, to their kid to the land of Babylon. Shadrach, chers invités, chers représentants des communes voisines, les essences du Tambourin, bienvenue à Colonterral. Aujourd'hui, je suis un maire heureux, voilà, il faut le dire de temps en temps. Il y a quelques semaines, c'était le son des fanfares qui faisait vibrer les rues et les places de Colonterral, mais aujourd'hui, depuis hier, très exactement, aujourd'hui, grande cérémonie d'ouverture de la Coupe d'Europe de Tambourin. Donc pour quelques jours, nous sommes la capitale européenne du Tambourin. Et c'est une grande fierté pour moi et pour mon équipe. Et comme il fallait au moins deux cournons pour organiser un tel événement, donc j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Régine Hilaire, puisque les matchs se jouent sur nos deux communes, et ça illustre aussi la puissance qu'on peut avoir lorsqu'on est plusieurs communes à organiser une manifestation. Voilà. Ce que je dirais très simplement, c'est que, hélas, nous montre que la solidarité entre les peuples est quelque chose de très, très important. Voilà. Je n'en dirai pas plus parce que le timing est important. Il y a des matchs qui vont se dérouler à partir de 11h. Je vais laisser la parole à Régine qui va nous dire. Bonjour à toutes et à tous, bonjour les enfants. Moi je suis un maire heureux et surtout très fière, hein. Très fière. Je suis un peu chauvine, hein. Excusez-moi. Je suis très fière pour les filles de Cournonsec qui ont fait un match remarquable hier soir. On s'est régalé. Merci et à tout à l'heure, 14h. Je suis aussi fière de l'équipe de Cournonterral. Cournonterral, Cournonsec, voilà, c'est. Et le Tambourin, quoi. Je vois qu'il y a beaucoup de relèves. Ça aussi, c'est une fierté. Je remercie tous les dirigeants des deux clubs qui mettent du lien avec les jeunes, les écoles, le centre de loisirs. Et puis voilà, quoi. Donc continuez, accrochez-vous et bon, félicitations aux Italiens quand même. Messieurs les présidents, les élus, chers amis, moi aussi je suis très heureux d'être à Cournonterral aujourd'hui pour cette Coupe d'Europe qui a été obligée de se faire un peu difficilement l'année dernière, mais on le sait tous à cause du Covid. Cette année, bon, on a une nouvelle formule avec trois équipes qui représentent la France et l'Italie dans les féminines et
et les masculins. C'est la première année qu'on organise sous ce format-là cette Coupe d'Europe, dont vous nous direz à la fin de la manifestation si c'est intéressant et si on doit la reconduire à cette formule. En tout cas, on voit du tambourin, on voit du beau tambourin depuis hier après-midi et on va encore en voir aujourd'hui. Dès ce matin, on va en voir demain. Donc, Cournon Terral et Cournon Sec sont aujourd'hui les places fortes du tambourin international. Je voudrais remercier les deux présidents de Cournon Sec et Cournon Terral d'organiser cette manifestation. J'ai vu beaucoup de bénévoles autour du terrain hier à Cournon Terral, Cournon Sec, je ne suis pas allé encore. Je vais y aller cet après-midi, mais je pense que c'est pareil. Donc je crois que je voulais vous remercier, vous féliciter. Le Kendout, où on a 8 pays qui vont y participer, et notamment un nouveau venu qui est le Bénin. Donc la Fédération internationale essaie de développer un peu dans le monde entier. Hein. On aura le Brésil aussi, on aura le Maroc. Donc on joue au tambourin partout, je crois que c'est une bonne chose. Après on a notre tambourin en salle qui est un peu le vecteur de communication parce que c'est un sport un peu plus, on va dire, facile et un peu plus populaire qui nous permet de nous développer dans les pays notamment du Nord. En Allemagne, en Angleterre, en Irlande, on joue au tambourin. Donc la Fédération internationale essaie de tirer le tambourin, mais je crois que c'est à tout le monde de se mettre autour de la table et de continuer, parce que nos villages, monsieur le vice-président, messieurs et madame le maire, on a besoin de tout le monde. Je crois que le tambourin doit se développer plus que ce qu'il est aujourd'hui. Le tambourin est un sport régional, mais c'est aussi... Et c'est un avantage pour notre sport, c'est qu'aussi on est un sport international. Et ça, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de sports traditionnels qui sont comme ça. Je prends par exemple nos amis des joutes, bon, ben, ils ne sont pas très internationaux, mais j'adore les joutes, hein, ça, je n'ai rien contre les joutes, au contraire. D'ailleurs, on est bien amis avec le président, mais voilà, je crois qu'aujourd'hui, c'est la fête du tambourin. Hier, on a vu des jolis matchs. Madame le maire nous dit qu'à Cournon-Sec qu'il y a eu un joli match. Moi hier soir je me suis couché à 2h du matin parce que j'avais dit que je vais aller me coucher un peu avant, je savais qu'il fallait que je sois là ce matin, mais non, je suis resté jusqu'au bout parce que l'équipe de Cournon Terral et l'équipe d'Arcene ont fait un véritable match de très haut niveau, je crois, et Cournon Terral s'est hissé au niveau des Italiens. Et ça se perd sur pas grand chose, ça se perd sur 4-5, 45 partout qu'on n'est pas allé chercher. Je dis oh, mais que Cournon Terral n'est pas allé chercher, mais je pense qu'à un moment donné, ça va y aller, quoi. On ira le chercher. Et je crois qu'on va avoir aujourd'hui, et notamment demain aussi, deux belles finales. J'espère que ça sera des France-Italie. Hein. J'espère vraiment du fond du cœur. Voilà, donc je ne vais pas être plus long. Merci à tous. Bien, mesdames, messieurs. Tout d'abord, permettez-moi de saluer William, le maire de la commune, qui me fait l'honneur et le plaisir de m'inviter ici. À travers lui, je veux saluer l'ensemble du conseil municipal de Cournon-Terral, madame le maire de Cournon-Sec, cher ami Régine, monsieur le président, monsieur le secrétaire général de la Fédération internationale. Bienvenue chez nous dans cette métropole. À travers vous, je veux saluer l'ensemble des équipes italiennes, France-Italie. Depuis Solferino, c'est une vieille histoire entre nous. Et le sport français ne serait pas le sport français s'il n'y avait pas l'Italie pour régulièrement venir s'affronter à nous. Bon, je vous le dis, hein, on préfère vous battre que vous nous battiez, mais à perdre, on préfère perdre contre l'Italie. Voilà, ça je vous le dis, quel que soit le sport. Pour être plus sérieux, d'abord, oui, monsieur le maire, tu l'as dit, William, ben d'abord, on est fiers, nous, on est chauvins, on est comme les Italiens, d'ailleurs. On est très fiers de ce qu'on fait, d'ailleurs. Destin des démons, tu gibes.
la 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 la